Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours accompagné de Tonch. Soir. J'ai un petit je peux changer mes habits, voilà. Mais je peux avoir une gueule vraiment dégueulasse, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Regardez comme je suis dégueulasse si je fais ça. Donc on va garder la capuche. Voilà. Mais elle va pas. Mais le problème, c'est que ma capuche, elle va pas avec mon blouson en cuir. Ah. Donc j'ai envie d'enlever mon casque. Donc je vais perdre de l'armure. Ah. Mais regarde, ça va quand même beaucoup mieux. Regarde-moi. Si j'enlève ce casque dégueulasse, regarde. Oui. Ça fait tout de suite plus sympa qu'avec la capuche. Oui. Donc à un moment. Il faut, faut du swag, quoi. Il faut. Il n'y a pas que le bonus. Alors, personnellement, je viens de compléter entièrement la ligne du tank. Ouais. Je bifurque donc sur le guerrier. Ok. C'est vrai qu'on a des points de compétence. J'en ai 15. Ah. On va peut-être avancer sur le magicien, hein. Voilà. Tous les ennemis déchus dans un rayon de 10 mètres subissent un point de dégâts de feu par intelligence par seconde. Ah ouais? Bah écoute. T'as combien d'intelligence? J'ai 4. Oui, bon. Ça veut dire que t'es passablement. J'ai un truc. Lorsque vous recevez des dégâts de mêlée, votre attaquant est ralenti pendant 3 secondes. Sympa dans l'idée. Je vais quand même aller chercher l'aura radieuse. L'aura radieuse, oui. Ouais. Et l'aura du soleil. Parce qu'en fait, je vais faire 2 points de dégâts par intelligence, donc 8. Et après, comme je vais continuer sur l'intelligence, je vais augmenter mon intelligence encore. Donc... Je viens de voir dans l'arbre de talent magicien un truc qui s'appelle destruction de masse. Ça m'attire fortement. Oui, bah c'est un truc que je vais aller viser. Une attaque critique avec une arme magique touche tous les ennemis situés dans un rayon de 20 mètres. Et leur inflige 2 dégâts de choc par intelligence. Très bien. Ah ouais, ça pique. Hein. Tout va bien. Voilà, bon, je suis un peu plus swag comme ça. Après, sinon, je peux faire l'armure de magicien. Ah, moi, je suis parti dormir. Mais l'armure de magicien... Attends, mage, c'est mieux que magicien ou pas? Bonne question. Bah, je vais regarder. 30-61 pour le plastron. Ah bah c'est le même magicien et mage. D'accord. Ah oui. C'est intéressant. Donc, je peux faire le chapeau. Voilà. J'ai gaspillé nos ressources pour que j'ai un chapeau. Il y a une racine de brume là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a une racine de brume à 600 mètres. Ah bon? D'après ma map. T'as vu la classe? Ah oui, quand même. Je peux aller à Poudlard. Alors, est-ce qu'il parle? Non, celui-là, il parle pas. Une racine... Non, parce qu'il a clairement une bouche, mais... une racine de brume à 600 mètres. Bah voilà. Ouais, je sais pas, j'ai un truc sur ma map. Alors, c'est peut-être un truc qu'on a fait et qui m'a pas été validé parce que... Parce que c'est toi qui l'as achevé, mais... Bah non, je les ai tout achevés à chaque fois. À l'ouest. Nord, sud, est, ouest. J'ai un truc, c'est un point de repère, avec 3 points d'interrogation. Ouais. Et quand je clique dessus, il me marque... Ah ouais, racine de brume. Racine de brume. Bah on peut aller voir. Bah écoute. On va quand même pas laisser une racine de brume à 600 mètres de la maison.
Alors, ce qui est bien, c'est encore une fois, nous papillonnons et nous n'allons pas faire ce que nous avions dit que nous allions faire. Non, mais c'est promis, avant la fin de la session, on essaye d'aller vers l'est. C'est ça. Alors. De toute façon, techniquement, quand on va revenir de là, on ira vers l'est. Bah, c'est ça. Donc au moins, on aura été vers l'est. Donc on aura tenu nos engagements. On n'aura pas menti. Voilà. Tel un président de la République, nous ne mentons jamais. Nous déformons la vérité. Sans en viser un précisé principalement. Oh, ils sont tous un peu passés à mettre dans l'art. Hein. C'est ça. Ah, tu te souviens de ce monsieur qui nous terrifiait au début ? Et ben maintenant, c'est nous qui le terrifions. Maintenant, on passe 3 fois par jour et on lui dit bonjour, blam. C'est ça. On lui met 2 claques. Ce serait dans cette montagne ? C'est bizarre. Mais on est passé par là ? Ah bah, 20 fois au moins. Ah oui, mais on n'avait pas été loin dans cette mine. Ce serait dans cette mine ? Non, c'est plus loin. On est encore à 300 mètres. Tiens, ce coffre n'a pas repop. Ah si. Il est juste resté ouvert. Hop, je me suis fait un petit peu de runes supplémentaires. Bien joué. Et j'ai été chercher des grenades. Adrien. Pourquoi? C'est pas des grenades? Non, mais destruction de masse, ça me suffit. D'accord. Ah oui, il y avait sûrement un truc là-bas, hein. C'était la grosse caverne embrumée. Ah, on l'avait pas faite ? Bah, on avait fait une partie en tout cas, après... On n'était pas rentré dedans complètement. Ah, on avait peut-être vu un écho rouge et on n'a pas été. Et en fait, c'était pas de la brume rouge, c'était la racine peut-être. Bah regarde, manifestement on l'a pas abattu celle-là. Ouais, bah ça devait être ça, on a dû avoir peur de ça. Voilà, ça c'est fait. Non mais oh. Ah, je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est ça. Y'a rire et rire. Hein. Bah, on avait peut-être eu peur de ce machin. Ça doit être dans les premiers épisodes. Pour le coup. Bon. Où est-ce qu'on va ? Ça c'est fait. À l'est, vers la maison. Regarde, hop, on se TP à la maison, comme ça on aura TP vers l'est. Et bah voilà. Ce qui est dit est fait. Ouais. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. C'est ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Le truc que, ce truc-là, je le dis jamais et je le dis que quand c'est pour faire de la merde. Voilà. Tout à fait. Alors que c'est bien de le dire pour faire de la merde. C'est ça ? Alors que techniquement, il faudrait le dire tout le temps. Il faudrait. Bon, on peut aller vers l'est, hein, vers... Alors, j'ai une autre racine de brume, si jamais ça t'intéresse. Et où ? L'est, justement. On avait laissé traîner une maison. Les autres 3 petits points ? Ouais. Pourquoi on avait mis une maison, là ? C'est pas là qu'on avait posé un pont ? Que tu avais posé un pont, là ? Ah, peut-être. Ouais. Ah bah si. Bah si. Manifestement, c'est là. C'est où ? C'est par là. C'est loin. C'est pas du tout là où j'étais. Non, c'est loin. Il faut prendre le pont. Bah écoute, comme quoi ton pont est toujours utile. Hein. Ah, il y a beaucoup... Ah on avait... oui, parce qu'il y a beaucoup de rouge, c'est pour ça qu'on avait fait un pont. Attention à l'arbre. En 2 fois ça passe, 2 fois sans frais.
T'as fait la même que moi. Alors, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas. Mais en bas, ça me paraît fort fort rouge quand même. Ouais, ça doit être en haut. Il y a des chances, hein. Comme papa est en haut, maman est en bas. Ah, des mecs niveau 9. Je me souviens quand on était là. Je crois qu'on était niveau 3 ou 4. Bon, ça devait être un truc comme ça, à peu près. Ouais. Ah, tiens. Effectivement, on repère quelque chose d'un peu plus. Un peu moins vert par là. C'est ça, hein. Bah, au moins ça nous fait diriger vers ce désert. Hein. Ah oui, il y avait les Yétis, les hommes Yétis. Les... Comment? Les Vukas? C'est ça, un truc comme ça. On avait tué leur chef au Vuka, donc on s'en fout. Alors, on avait tué un mercenaire, mais est-ce que c'était vraiment leur chef? Bah oui, le Vuka géant là, tu te souviens pas? Ouf! T'as oublié de déployer tes ailes. Bah ça a l'air d'être en bas, hein. Y a du monde ici. Je l'ai, je la vois. Ouais, mais son niveau 9, c'est rien pour toi niveau 9. Ah, je sais bien, mais maintenant ils font plus peur, hein, mais. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est sur moi que ça tape, alors. C'est ça. Regarde, elle est là. On la voit Elle d'ici. est là. Ah oui. Tata yo-yo! Oh, c'est chaud! C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge! Ah bah non, c'est pas rouge. Là où je suis, c'est rouge. Hop là! Bonjour. Bonjour. J'ai un peu glissé, chef. Je pense que tu t'es loupé, ouais. Donc ça, c'est fait. Est-ce qu'on n'irait pas par là un petit peu? Oui, on peut, hein. On va vers l'est, hein. Tout à fait. Et à l'est? Rien de nouveau? Ah non, Rien c'est à de nouveau non l'ouest. plus. Et à l'est, il y a des blinis. Ah bon? Bah oui. Il y a aussi Milena. Et... Non. Il y a Paulina. Aïe. Un petit peu de ruine, ça fait toujours zizir. Hein. Hey, une ruine. Une ruine, une petite maison. Avec des machins. Des scarabs. Eh, Vous êtes ah! nombreux, les Mais gars, à un attends! moment. Mais attends, mais les scarabées contre le dragon, ça va être trop bien! Ah, ils vont être sur moi, oui. Mais non, mais. Je me mets à côté de toi et ils prennent des dégâts gratos Ah si oui, je il y a des prends les chances, oui. auras. Ah, il y a un zombie. Il n'y en a plus d'un d'ailleurs. Le savais-tu? Les petits coffres cachés? Oh! Oh, gros coffre caché. Un anneau de mana. Ça va être pas mal ça pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Plus 1 de régénération de mana.
c'est moi ou c'est un petit peu nul à chier? Bah en fait c'est parce que c'est des objets niveau 9. Oui, c'est vrai. On est un petit peu dépassé pour ce... Alors je pense que si on va par là, c'est où sur la map ça représente, le rouge représente le désert, ou ça représente de la brume rouge. Bah écoute, on va aller voir. À l'est, hein, toujours. Ouais, je pense que j'ai une réponse quand je vois que la brume change de couleur. Est-ce que tu penses qu'on a une réponse? On sait pas, on n'est pas sûr. Ouais. C'est un peu rouge, hein. Un petit peu, mais est-ce que c'est vraiment rouge? C'est ça. Est-ce que nous ne sommes pas daltoniens? C'est ça la question. Ouais, pour moi, c'est peut-être plus magenta que rouge, tu vois. C'est, c'est vermillon. Hé! Il nous attaque? Bah oui, c'est un rouge celui-là. Bon, par contre, il aime vraiment pas le feu, hein. Ça donnait quoi cette saloperie? Je sais pas, mais ça pique. Ah, il donne des sacs de brume! Ah, morsure d'acide, procédé appris chez l'alchimiste. Ouais, des glandes d'ammoniac. Ah, mais ils sont très bien ces mecs-là, on va les tabasser à mort. Fais gaffe, il y a du rouge derrière. Hein. Où ça? Ah, derrière. Tu l'as looté? Non. Ah non, il est là. Hop là. Non, j'évite de rester dans le nuage toxique. Oh, pour si peu. Ma maman m'a appris que c'était pas une bonne idée. Tu avais beaucoup de nuages toxiques par chez toi? Ça dépend des jours. Oh, encore un mec bloqué dans les textures. Bouge pas. Bouge pas, monsieur. Je l'ai fini à la pioche. Tu sors la pioche, moi je sors la grenade, quoi. On connaît la subtilité de chacun. Ah, franchement, mettre un grand coup de pioche au milieu du front, là. En vrai, je sais pas si t'as le temps de souffrir. Non, je pense pas. Quand tu vois la tête d'une pioche. Après, ça dépend de ta pioche, hein, j'imagine. Hein. Ouais, et puis ça dépend comment tu frappes aussi, mais quelqu'un qui frappe bien avec une bonne pioche comme nous on a là. Ah, terminé. Je pense que c'est pas par là. Je pense qu'on va devoir changer d'itinéraire. Ah, ça sent la pioche. Ouais, il était un peu costaud celui-là. Hein. Il faut changer d'itinéraire. Encore? Ouais. Et... Ah 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 ah, embrumé. Ouais, hein. J'ai compris. Il va nous falloir améliorer notre niveau de flamme. Ah ouais? C'est ouais. Ça? Pour aller par là. Oui. Il est noté résistance à la brume, là, niveau 1, 2, 3, 4, 5, là. Et c'est ça, en fait. D'accord. Mais pour ça, il faut tuer la Wyrm. Mais là, il y a un petit canal. Tu l'as vu toi aussi? Sur la map, ouais. Il y a aussi des... J'aime esquiver que c'est toi qui te la prennes derrière, ça me fait beaucoup rire. Ah là 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 là. Pas grand chose hein, pour que je rigole, moi. Attention, il y a du rouge. Oui, j'ai bien vu. Mais j'ai l'impression que ce canal passe par ce rouge. C'est ça, hein? Ouais. Le canal passe par le rouge qui est là. Bizarrement. Alors après, on peut passer là, il y a un petit guet.
le dire à rien. Et ça nous emmène en dehors de la brume. Menace à proximité. Ah bon. Tu te sens menacé? Pas spécifiquement, non. Bah, il faudrait peut-être aller par là, alors. T'as raison, c'est satisfaisant de faire une esquive et de laisser le suivant réceptionner. Ce serait en passant par chez eux, tu crois? Bah non, regarde, on peut passer tout droit, là. Par au-dessus de chez eux. Là? Ça a l'air d'être là, hein. D'être là en face. On avait la tour, on pourrait peut-être se TP à la tour des mornes pleines. Elle est mornes pleines, oui, mais... Attends, si on se TP à la tour des mornes pleines... On n'est pas très près non plus, hein. Ouais, mais en vol, parce que c'est haut une tour. Oui, mais on risque d'arriver sur le rouge. Mais non... Vas-y, moi je continue à pied. C'est par où? C'est pas par là. C'est pas par là non plus. Ça a l'air d'être par là. Bon, pour ça j'ai fait les 4 entrées de la tour, mais... Regardez là, si je saute là, là... Là, j'atteins pas le rouge, là. Et j'arrive près du désert. C'est parti! On va peut-être se poser au milieu, quand même. Hein. Ça me paraît téméraire de penser que je peux atteindre ce côté. Mais non, c'est bon, c'est ok. On a même pu faire un détour. Aller chercher des plantes. Et voilà! Ouf! Moi j'ai trouvé. Je suis pas bien loin d'avoir trouvé. J'en suis presque sûr. Bon moi je vais t'attendre sur le pont. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que là j'ai trouvé, mais sauf que le mur il est rouge. Ah ah. Il me faudrait de l'herbe à pipe du vieux Toby. Pourquoi tu veux de l'herbe à pipe? Bah parce que je ressemble à Gandalf. Quelle question. Oh du sel. Là, d'ailleurs du sel on en a plus beaucoup, il faudrait peut-être retourner à la mine de sel pour la farmer. Yes. Et j'ai remarqué qu'on peut pas faire de verre non plus dans le jeu. C'est dommage. Hop. De verre... VE2RE. Un verre à boire, quoi. Un verre à boire, ouais. Tu es en train de miner? Un peu. C'est marrant, j'entends les mines... J'entends que ça mine dans ton micro. Ah ouais? Ouais. Je suis en casque pourtant. Bah ouais, mais je t'assure que j'entends miner. D'accord. Tu sais, les petits clics, clics, clics. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que comme ça tape en rythme, j'avais l'impression que c'était une horloge. C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu minais. On dirait vraiment le bruit d'une horloge dans mon casque. Mais alors si vous faites attention et que vous écoutez bien Discord, vous allez entendre que ça mine. Quand j'étais loin de lui, parce que là comme je suis juste au-dessus, parce que ben voilà, moi j'ai déjà trouvé depuis 8 heures. C'est pas vrai. Est-ce que ce serait pas là ce fameux spot à B niveau 25 là? Je pense que c'est là.
Ouais, une potion de soin dans un... Dans un bidon random. Je suis censé être bientôt à la surface quand même, là. Non, pas du tout. Ah ouais? Ouais. Attends, j'arrive. Pourtant... Ah, je savais bien que j'étais pas très loin. Est-ce que c'est la bonne surface? Alors, c'est la bonne surface, je pense. Non. Le truc, c'est que... En fait, c'est pas la bonne. Ah bon? Mais non, moi j'ai miné, pour... je suis descendu pour venir te chercher. Hop, 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 hop. Attends, parce que... Mon escalier est un peu pentu, n'est-ce pas? Tu veux y arriver? Je ne sais pas trop. Oui. Magan, t'as vu, t'as encore tout ce chemin-là à faire, hein, quand même. Ah ouais? Quand même. Et en j'aurais fait, pas eu assez de pioche. En volant, de là où j'étais, donc là, il y a une sanctuaire de la flamme que j'ai ramassée. D'accord. Et en fait, en volant, je suis arrivé au niveau de la petite baraque qui est là. Il y a une baraque ici, je sais pas où. Là, je suis arrivé là. D'accord. C'était quand même beaucoup plus rapide. Oui, que tu dis, hein. Et regarde, là il y a un... Tout le monde s'est bien rendu compte que je suis arrivé en même temps. C'est ça. Tout à fait. Et regarde, et en passant là, et en fait on arrive dans ces montagnes et apparemment c'est par là le désert. On n'était pas déjà passé par ici? Non, c'est tout noir pour nous. Ah oui, non, c'est, non, c'était plus haut, c'était plus haut. Et ça a l'air d'être par là. On va explorer un peu ça. Oh, une mine. Alors, il y a des loups. Loup. Au niveau 7. Cette mine. Une échelle, ça pue quand on connaît les échelles du jeu. Moi je vais rester en haut. Hein. C'est du silex pour le moment. Bah c'est que du silex. Oui. Est-ce que ça a pour d'intérêt? Putain d'échelle à la con, pardon. Excusez-moi. A glissé, chef. Ah mais c'est les échelles, c'est un peu de la merde dans le jeu. C'est un peu sa kryptonite. Ça, il faut vraiment qu'ils réparent leurs échelles. Hein. C'est... Mais regarde, si on arrive à monter sur cette montagne là, après il y a une sorte de pont là, qui nous emmènerait vers le désert. Mmh. Et si on est téméraire, il y a un puits de l'élixir dans la brume rouge. Alors je pense que si on vise bien, on peut tomber directement dans le trou. Alors j'ai comme un doute quand même. Hein. Et sprinter directement sur la racine pour la casser. En 2 secondes 50 avant que ça lâche. Ça se tente. Moi je dis ça se tente. Vas-y, je te regarde. Non, mais j'aurais besoin de mon fidèle acolyte. Ah non. Et puis, alcoolite toi-même. Hein. J'ai dit alcoolique, pas alcoolite. Moi, je ne cache pas mes propos, moi, monsieur. Eh, on s'approche du désert, là, hein, non? Eh, regarde, c'est un peu de la savane, là. Ça y est, on est dans le désert. C'est bon, on peut arrêter le jeu. Voilà. Voilà, fin du jeu. Terminé. Merci. Ah non, mais regarde, un échafaudage.
pour mon thé. Oh. Tu vas me dire, ça sert souvent à ça. Ça peut servir à descendre. Ouais, mais donc dans un sens ça sert à monter. Ouais, et dans l'autre à descendre. Waouh. De la savane. Pourquoi il y a un bruit de wyvern? Un coffre. Bon, les cacher. J'ai plus de place dans mon sac. Aha. Bon après je suis sûr qu'on a des trucs en double donc on pourrait se les filer hein, mais. Oui, il y a moyen, il y a moyen. Alors par contre comment on monte? Comme ça. En prenant le bon angle. Non mais la dernière fois que je suis allé dans les Alpes, je suis monté comme ça aussi en haut du Mont Everest des Alpes et ça a fonctionné. Voilà, il faut demander aux Dahu comment ils font. C'est ça. J'ai un petit peu plus de doutes là. Mais non. Et je vais vite attendre bah, par contre. Le jeu n'est pas permissif. Franchement. On va être obligé de miner quoi. Oh, burk. Tel des nains. Vas-y, monte sur mes épaules. C'est ça. Combien faut-il de nains pour creuser un tunnel de 28 mètres dans du granit? C'est bon, j'y suis. Tu peux creuser Ah non, j'ai plus de pioche. Ah. À la ouais, cassée. Vas-y, ça m'énerve. Voilà. Ah oui, carrément. On en est là? On en est là. Vol, petit oiseau. Non, 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 non. Wow, 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 wow. Oh, j'ai failli clipper à travers la map. Wouh, 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 wouh. Voilà. Moi aussi. C'est comme ça qu'on fait. Aïe, 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 aïe. Non mais le jeu n'est pas permissif. Il y a un sanctuaire de la flamme juste là. En bas. Oui, bah il restera en bas. T'es sûr que c'était ici? Ah ça j'en sais rien moi. Bon écoute, on va avancer par là, on verra bien. Il y a du verre qui flotte là. Ça c'est des lucioles. Alors attends. Oui, j'ai un petit doute hein. Attends, est-ce qu'on ferait pas, avant de partir dans des trucs comme ça, quelque chose dans ce style-là? Impossible de placer plus d'hôtels. Ah. Attends, bouge pas. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là, monsieur? Ils sont niveau 18. Et tu viens de où? Mais il vient de où? Bah j'en sais rien, moi. Du Kilimanjaro, peut-être. Ah. Il a des œufs sur lui. Des œufs? Et de la viande d'oiseau cru. Ah, c'était un oiseau, d'accord. J'ai éteint le truc, donc dans 30 secondes, tu peux en poser. Hein. Fantastique. Hop. Ah, des œufs bouillis. On a trouvé une nouvelle recette. Oui. J'ai looté des œufs. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Moi, je vide, voilà, monsieur. Je vide mes poches pendant ce temps-là. Oui, je vais faire pareil, je pense.
Attends, on peut peut-être faire les deux. Je vais réparer ma pioche tant qu'à faire. Il nous faut 4 lins. Enfin, il nous faut 8 lins. Huit là. Ça, c'est du lin, ça? Non, c'est de Des la fleurs plante bleues, indigo. là. C'est de la plante indigo. On ne t'avait pas planté de lin? Si. Ben non, il n'y en a pas. Comment ça, y a pas de là? Ben non, il n'y a pas de lin. Ah. Mais quoi qu'est-ce? Ah, attends, il y en a là. Oui, en même temps, il y a 6 lins ici dans le fuseau. Hein. Hop. Je viens d'en relooter des lins. Il y en avait 76 de près. 76 de près. Enfin, 76 de... Il faut les mettre dans le fuseau. Ah oui. Attends, s'il nous manque 2 lins... T'en as 6, c'est ça? J'en ai 6, mais il n'y a plus de place dans les coffres. Même dans le... Même dans le coffre moyen? Ouais. Ah oui. Il a été légèrement blindé. Bah attends, donne-les-moi. T'es trop loin. J'arrive. Je suis là. C'est bon? Yes. Ok, merci. Il va nous falloir des... Bouge pas. De la place. Offrir. Tiens, tonche. Oh! Un petit glider. L'autre, je le jette, hein. Oui, bah, j'ai fait la même. Alors attends. Je vais faire de la place. On peut pas jeter les armures? T'es sérieux? On peut les jeter, mais on peut Ah, pas les démanteler. on peut pas les jeter depuis le coffre. Il faut les avoir sur toi pour pouvoir les jeter. D'accord. Ok. Pourquoi on a 12 feux de camp là dans le coffre? Je sais pas. Je les jette, hein. Et ben voilà, ça fait de la place tout ça. Voilà. Il est déjà prise la place. Là 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 là. Attends. En vrai, les anneaux de mana. J'ai refait de la place dans un autre coffre. Ça. On manque beaucoup trop de place, hein. Il en refaut. Ça coûte cher des coffres magiques là. Il nous Semble faut un pas. coffre moyen, il nous faut des planches de bois, c'est tout. Ça tombe bien, t'en avais fait plein. Alors... 1, 2. J'ai refait deux coffres moyens magiques. Waouh! Est-ce que ça vous convient, monsieur? Ça va n'aller. Pour le moment. Ah bah oui. Le problème de jeu. Voilà. C'est quoi ça? Une betterave forestière, j'ai ça moi. J'en profite pour améliorer un peu l'équipement. Celui-ci. La baguette, on sait jamais, ça peut servir. Alors, et toi, tu peux pas faire des potions de soins? Ah si, on peut faire des grandes et des petites potions de soins. Est-ce que tu veux que je te fasse des potions de soins? Non, merci, ça va, j'en ai déjà sur moi.
J'ai d'ailleurs des potions de mana que je vais poser dans le coffre parce que je vois pas bien l'intérêt de me balader avec des potions de mana sans en utiliser. Moi, je me suis fait une dizaine de potions de soins. Ah oui, d'accord, mais on en avait encore 13 dans un coffre. Bah, très bien. Bah voilà, on a tout ce qu'il faut. Bah oui. Plus 4 d'intelligence, les omelettes aux champignons. Ah oui, d'accord. C'est pas mal. Et les œufs bouillis, c'est 3 de recharge en endurance, 3 de régénération de la santé et 2 de recharge en mana. C'est pas mal du tout, pendant 40 minutes. Ouais, ça va être bien contre le boss. Il va falloir aller farmer les œufs. Je pense, oui. Mais c'est vrai que contre le dragon, ça va être pas mal. Oh, en plus, le jour se lève, c'est magnifique. Je pense qu'il va nous manquer un truc ou deux là. Hein. Ouais. En vrai, avec des bûches, on se fait des. Attends, On je peut rentre à la faire un maison. escalier. Je vais chercher des échafaudages. Oui, on peut. J'arrive. Je rentre à la maison. Je vais aller voir un peu plus au nord si il y a un passage sans s'embêter. Parce que si passage il y a. On a un nouvel élément cartographié. Ils sont où mes J'ai dû échafaudages? survoler quelque chose. C'est ça. Ah, ils sont là, mes échafaudages. Mais pas plus que ça, des échafaudages. Je suis arrivé au champ mélancolique. Voilà. Non, mais t'inquiète, j'ai fait des échafaudages, on va pouvoir monter. Ouais. J'en ai fait quelques-uns, en effet. Je te dis que j'ai 14 échafaudages sur moi. D'accord. Ah oui, moi quand je te dis que je fais des échafaudages, je fais des échafaudages. Hello. D'espace libre, comment ça? T'as pas un peu de ma gueule, non? Dalila. Ah merde, je vais arriver en haut de la zone de construction. Déjà. Je suis en haut de la zone de construction. Ah. Ils ont pensé à tout. Ah non, parce qu'on pourrait améliorer ce feu. À fait. Pour encore ajouter des échafaudages. Parce qu'en vrai, c'est uniquement des cœurs de brume qu'il faut, je crois. Alors, non, il faut. Ah non, non, Alors, c'est. je te parle Ah oui, c'est de. améliorer l'hôtel. Oui, c'est un cœur de brume, oui, effectivement, sur le principe, je reviens. Bah, ouais. Prends-en plusieurs, on va peut-être devoir l'améliorer plusieurs fois. Oui. Je vais prendre le petit stack. Ouais, si tu le trouves. Je devrais. Je les ai vus passer il n'y a pas long. Augmenter l'intelligence. Non, mais moi, il me faut ça. Il me faut 5 points pour avoir ça.
Lorsque vous attaquez une arme magique, les chances de coup critique augmentent de 10%. D'accord. Tous les dégâts de brume sont augmentés de 10%. D'accord. Tous les dégâts de brume augmentent de 20%. D'accord. Alors là, il y en a un. Ouais. On a fait une augmentation dernièrement ou... Ah bah oui, on a augmenté niveau max là. Ah ouais. Mais sinon tu peux en créer avec de la brume liquide et de la Ah oui, c'est poudre vrai. visqueuse, je crois. Avec l'alchimie, Ouais. ça. Merde. C'est bon. Cœur de brume. Ah oui. Je pense qu'il faudrait l'augmenter d'encore 2 niveaux pour pouvoir atteindre le haut de la falaise. J'ai pris 11 cœurs avec moi. Ah oui, bon, bah c'est bon alors. C'est pas comme si on manquait de brume liquide. Ah. Heureusement qu'il n'y a pas de physique dans ce jeu, hein. Sinon, je pense qu'on aurait un problème avec cet échafaudage tout seul. Non, attends. Je veux améliorer. Voilà, on est passé niveau 3. Ok. Ah oui. Sûr que ça tient, hein? Apparemment. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, penche à gauche, ça ira. C'est ça. Ok. Dis rien, je suis sûr qu'il y a des ouvriers qui font ça. En vrai. On vous aime Je bien ne vais les pas te ouvriers du... contredire, je l'ai vu, donc oui. Voilà, on vous aime bien les ouvriers du BTP, mais des fois vous êtes un peu dangereux. Y en a un que j'ai oublié de tourner, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, j'ai remarqué. Ça, la Lidl. Alors qu'on arrive en haut parce que j'en ai plus de temps que ça des échafaudages. Bon, on y est presque, hein. Yeah, je pense que techniquement, là déjà, on peut quasiment voler jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est par là qu'on rentre dans le désert de manière legit? Oui. Évidemment. T'as vu une autre entrée, toi? Ah non, on l'a créé. Eh, regarde. Le système d'ombre est super bien fait. Ah ouais, putain! Ah ouais, nice! Ouais, même le coup de hache et tout, t'inquiète. Bon, j'ai plus d'échafaudage. Et on est sur une sorte de palier là. Ah oui, c'est vraiment pas la même le nouveau glider. Effectivement. Non mais ce qui est bien, c'est qu'on pourra toujours retourner à la base, chercher de nouveaux échafaudages et monter encore plus haut. Oh, il y a un truc qui est tombé là, je sais pas ce que c'était, mais... C'était moi. Non, non. C'est quoi Regarde, ces... il y a des hyènes là en bas. Allons voir. Oui, là, regarde. Bonjour. Êtes-vous gentille? Ah non, c'est des tigres à dents de sabre. C'est pas des hyènes. Ah ouf! Attention. C'est que ça? C'est quoi ta patte là? Oh, il tape fort. Oh, des poivrons! Des poivrons? Oui, j'ai trouvé des poivrons. De la canne à sucre! De l'aloe. Nice! Une soupe de légumes! Très bien. Et j'ai récupéré des étincelles. On peut faire du sucre maintenant. Super! C'est beau. Des semis d'aloe vera. Sais pas Potion pourquoi de j'ai soin. l'impression que ça.
potion de soins revitalisante. Alors, je sais pas ce que c'est ce gros baobab, je vais le couper. Qu'est-ce que ça donne comme bois ? Ah, c'est un baobab. Des semis de Roibios. D'accord. Bah, je sais pas, moi. Il y a un dindon. Bah, ça donne du bois et des brindilles. Ça donne de la résine de mon côté. Ouais. Bah, c'est un arbre normal, quoi. Ah oui, il y a un dindon. Ça fait quoi si on le tue ? Qu'est-ce que tu donnes des comme œufs. Vie ? Ah, sale bête. Alors, je l'ai tabassé avec mon flash. Des plumes et de la viande d'oiseau. Ah. Il faudra certainement trouver leur nid pour avoir les œufs. Non, regarde, c'est ça qui était tombé tout à l'heure que j'avais vu passer. D'accord. Le dindon? Non, regarde. Ah, Tu peux c'est du jouer au foot calcaire? avec les herbes folles. Il y a une nouvelle. Il y a du calcaire? On en avait déjà trouvé? Non. Bah manifestement. Ou alors c'est qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'il y a avec, mais. C'est ça peut-être. Bon, on va en prendre un petit peu. Hein. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Quoi? On n'est pas dans le désert là. Non, il va falloir monter encore. Ah, ou descendre. Après tout le mal qu'on s'est donné pour monter, c'est dommage. Bah ouais, mais regarde. Ah ouais. Ouais, ça a l'air d'être par là. Hein. En fait, je me demandais ce que c'était cette pierre un peu bleue. Et j'ai bien fait. Tata yo-yo. Ah oui, c'est vraiment pas la même chose. Hein. Le deuxième glider. Effectivement. Hop là. Ah, j'ai eu un petit bug. Oui, la même. J'ai eu un petit retour en arrière là. Ah, on a dû avoir un micro lag. Il y a un peu de cuivre ici. Du cuivre au sol, ouais. Il y a des bestioles qui se tapaient dessus par là. Ça continue là en bas. Regarde, il y a des maisons là-bas. Oh ouais. Là là, on est le désert, un nouvel univers. Ça y est, on est redevenu des gosses. Ah oui. De quoi? Bah c'est Tata Yo-Yo là, c'est... Glace. Ils sont derrière solides, toi. Hein. Les Jackie. Et regarde, c'était Tigre à dents de sabre là qui se battait avec. Ah. Attention, Tigre à dents de sabre aussi. Grotte. Attends, on est où? Bah là, de toute façon, on ne connaît rien, donc je sais pas, tu vas aller vers où? Bah, je vais déjà tuer lui, là. Ouais, ils tapent fort, hein, les tigres. Ils tapent très fort, hein. Ouais. Moi, je vois un truc, là, tout au nord, là. C'est la petite montagne blanche, et je me demande s'il y a de la neige. Ah, c'est ça du bois et boss là. Attends, bouge pas. Waouh.
Il en reste un. Ouf. J'ai entendu un bruit. Bah écoute, ça a l'air d'être à peu près tout, non? D'accord, donc c'est juste une grotte à cuivre. Un peu déception, mais pourquoi pas. Cuivre, mais y a pas de cuivre. Hein? Bah et ça là-bas, c'est quoi? Ah oui, je l'avais pas vu. Ah si si, c'est bien ça. Cuivre. Après, il y a peut-être moyen d'installer sa base ici. Une petite base qui va bien là. Ouais, après il faut faire gaffe en à pas RP. Faire gaffe à on pas avoir le cuivre dans la zone quoi. Ouais, enfin à la limite, j'allais dire on s'en fout du cuivre vu qu'il y en a partout quoi, tu vois. Maintenant ouais, on en trouve beaucoup. On va par où? Comme tu veux, je te suis. Bon, peut-être par là, non? Les voir un peu. Oui. Quoi ça? Ah, c'est un dindon. Il y a des Vukas là à droite. Il y a un truc que je veux voir. Ah, c'est de la pierre normale, on récupère pas de la route de pierre. Un peu con. Ah, une ville. Allons dire bonjour à ses habitants. Bonjour. Donjon de la Corneille. Bonjour. Il y a l'air d'avoir une mine par là en plus. Il n'a pas l'air d'avoir grand monde surtout. Ouais, bah il y a quand même un point de repop. Ah. Toc toc. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, disais-tu. Quand même des gens. Alors. Il y a rien là-haut, je viens d'aller voir. Il y a presque rien. Mais moi j'ai eu personne, c'est marrant. Il était sur les remparts et il baladait. Oh, j'ai des flèches en bronze. En bronze? Tout à fait. Peut-être qu'on va apprendre à en couler. Le bronze c'est quoi? C'est de l'étain, non? Ah non, le bronze c'est pas de l'étain. Non mais c'est fait avec de l'étain, c'est de l'étain et du cuivre. Oui. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait de l'étain quelque part. Ou pas. Tiens, je t'envoie... Ah, je t'enverrai ces flèches dès que tu seras... Registre de la Corneille. Ouais. Jour 147. Nombre de détenus, 53. Une autre révolte aujourd'hui. La détenue Lupa, les harangues. Elle a craché au visage du gardien... Maître pendant le déjeuner. Il reste une trace de brûlure sur la joue. Ok, il y aura une matrone. C'est ce que le jeu il est en train de nous dire. Tout à fait. Je crois qu'il y avait des mines. Tu crois? Bah ça doit être par là, non? Il y a des chances, hein. À toute ta blague. Ils essayent de s'exprimer. Oh bordel! Il y
Il y en a un en face. Hein. A priori, tant qu'on leur ouvre pas la porte. Ah. D'accord, il va y avoir un système de lock. Prêt? Aïe! Petit coffre. Il y en a un là, il y en a un là. Il est cassé, il est cassé, ça va, il est coincé. Alors, j'ai trouvé d'autres flèches. Il avait des Flèches œufs. d'os fossilisés. Oula. Je t'envoie ça. Mais c'est mignon tout ça. Effectivement, j'ai l'impression qu'on va un petit peu upgrade le matos là. Ah oui, d'accord. Alors, on passe de 11 à 17 en termes de dégâts. Et... Et les flèches en bronze, c'est 18. Ok. C'est pas les mêmes. Non, ouais. Tu Peut-être bugs? passer. Non. Alors Pourquoi? c'est moi. Je te vois Pourquoi? courir, je te vois courir dans le couloir, sans bouger. Ah. Est-ce qu'on aurait une désynchrone? Ça m'en a tout l'air. On règle ça et on revient? Bah attends, on va voir. T'as quelqu'un derrière toi qui te tabasse. Non. Ah ouais, donc on a vraiment une désynchro, ok. Oui, puis ça vient de moi parce que je suis encore. J'ai mon compteur de repos ne descend plus. Je vais déco-reco, tout simplement. Ok. Chiant, mais obligatoire. Je vais devoir refaire le passage pour revenir. Alors, pas forcément. Pas forcément. On n'a pas. On a upgrade. On peut pas faire un truc de plus? Peut-être. J'allais farmer de la pierre. Si ça peut t'éviter de tout refaire. Mais non, mais là, ça c'est du calcaire. Ça a l'air d'être de la pierre, ça. Ah merde, c'est du calcaire. Ah, il va falloir que j'attende que je sois déconnecté. Ouais, carrément. Hop. Tu me dis hein, quand c'est bon. Ben, là, je suis en train d'actualiser les serveurs et il m'en affiche plus un seul. S'il m'affiche ta partie, mais il est toujours 2 sur 2. Ah merde, Donc. impossible de placer plus d'hôtels. Et merde. Ben, quand je te rejoindrai, je pourrais en virer un autre, hein, mais. Ouais, je vais peut-être faire une pause sur le... Ah bah de toute façon c'est la fin de l'épisode, voilà. Au moins comme ça. On vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Salut!